that day I live in a dream. Je m'appelle Jonathan Tual, je suis Couéronais, j'ai 34 ans, je suis musicothérapeute à Couéron et à Savenay et j'interviens avec l'association des Lucioles à Couéron. J'ai rencontré cette association, les Lucioles, qui organise des événements musicaux. Un festival est né au sein de cette association. J'ai trouvé ça excellent parce que ça permet de rassembler les Couéronais, de les fédérer autour de la joie d'être ensemble et de partager aussi la culture de la musique. M'investir avec les Lucioles au sein de l'Envolée, c'est juste faire ce que j'aime et c'est génial. Je m'appelle Marie Créault, j'ai 27 ans. Je suis directrice du centre de loisirs de l'Erdeuillère sur les vacances scolaires. Je suis engagée bénévolement au sein d'une section Solidarité internationale où on fait des actions avec des partenaires en Haïti pour financer des camps d'été où sont accueillis des jeunes Haïtiens pour faire comme l'équivalent des centres de loisirs en France. Je me suis engagée sur la commune de Couéron car l'Amical Lake prône des valeurs qui sont les miennes et a une partie qui porte intérêt à la solidarité internationale et particulièrement en Haïti. J'aime habiter sur Couéron car on est proche de Nantes et c'est un cadre agréable, je pense, pour y construire sa vie. Je m'appelle Giovanni, j'ai 15 ans, je suis au lycée et j'habite à Couéron. Je m'appelle Santiago, j'ai 16 ans et je suis lycéen. J'habite à Couéron. Alors, je fais partie du projet World Cleanup Day, qui est un événement mondial. Avec une quinzaine de jeunes, nous avons monté donc ce projet qui est de sensibiliser les habitants du coup, de notre ville au sujet des déchets et de la pollution. Je m'engage sur le territoire de Couéron parce que j'aime ma ville. Je veux aider et surtout pour dépolluer la planète et pour passer un message, pour sensibiliser les autres et donner des bonnes valeurs. Je suis Florence, je suis bénévole à l'association ALEC. ALEC, ce sont des ateliers d'alphabétisation pour des non-francophones. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est justement pouvoir échanger au niveau des cultures, passer du bon temps, parce que ça dure une heure et demie, c'est convivial, c'est sympa. J'habite à Couéron depuis plus de 30 ans. Couéron, c'est à la fois proche de la grande ville Nantes et à la fois c'est un pied dans la campagne avec tous les marais au bord de l'eau, le bord de la Loire. Et ça c'est cette dualité qui est super, soit le côté urbain, soit le côté rural. Je m'appelle Anaïs. Je m'appelle Clément Végrich, j'ai 26 ans et je suis cuisinier professionnel. Je dirige avec Clément le bus détourné depuis maintenant 2 mois. Qui est un bus à impérial anglais transformé en restaurant qui se balade sur toute l'agglomération nantaise et qui se pose tous les dimanches à Couéron sur le port. Et on propose une carte de tartine bruschetta, planche apéro, tapas, dessert, accompagné de jeux de société pour tous les âges, pour tout le monde. On a décidé de s'engager sur la ville de Couéron et d'être présent tous les dimanches parce que c'est la ville dans laquelle on vit depuis 4 ans et son dynamisme et sa modernité correspondaient bien au projet qu'on propose. Since the day I live in a dream.